Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, c'est la grande forme. Aujourd'hui, rapidement, j'aimerais parler du pouvoir de la duplication. Pouvoir de la duplication, comment? En général, nous avons des journées de travail qui varient entre 8 heures, 10 heures, 12 heures pour les plus longues périodes, parfois 14 heures. Mais il est difficile d'aller au-delà de 14 heures. Aujourd'hui, j'aimerais parler du pouvoir de la duplication. Parce que lorsque nous sommes experts dans un domaine, il est important de songer à former d'autres personnes dans le domaine. Nous avons une expertise. Il faut penser à la transmettre. Il faut penser à la transmettre pourquoi? Parce que tout d'abord, en transmettant notre expertise, nous devenons un peu plus libres. Nous devenons un peu plus libres. Je m'explique. Lorsque je suis expert dans un domaine et que je décide, par exemple, de former d'autres personnes dans le domaine, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, j'ai des journées de travail de 8 heures. Alors, je décide de former deux autres personnes à faire la même chose que moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je travaille pendant 8 heures, les deux personnes que j'ai formées travaillent également. Donc, au terme de la journée, je me retrouve en train d'avoir un travail au total de 24 heures. Parce que j'ai travaillé pendant 8 heures et j'ai deux autres personnes qui ont travaillé pendant 8 heures. Maintenant, lorsque je décide d'élargir mes périodes de formation ou alors de former encore plus de personnes, alors là, je peux carrément réduire même mes heures de travail. Cela signifie que si je travaille habituellement pendant 8 heures et que désormais je forme 10 personnes, par exemple, à travailler seulement pendant 3 heures, au terme de la journée, qu'est-ce que j'ai? Je travaille pendant 3 heures, mais j'ai 10 autres personnes qui travaillent également pendant 3 heures. Donc, au terme de la journée, je n'ai pas simplement 3 heures de travail, mais j'ai 3 heures, j'ai mes 3 heures et j'ai 3 heures multipliées par 10. Donc, en 3 heures, je me retrouve en train d'avoir un rendement de 33 heures. 33 heures déjà qui, à la base, dépassent déjà toute une journée entière. Parce que, quelle que soit la force que j'ai, quelle que soit la capacité que j'ai, il n'est pas possible pour moi de travailler pendant 24 heures. J'ai besoin pendant la journée d'avoir un temps de repos. J'ai besoin d'avoir un temps pour m'alimenter. Mais simplement parce que j'essaye de me dupliquer dans ma tâche, je me retrouve en train de boucler des journées de 33 heures, 40 heures, 50 heures et plus. Donc aujourd'hui, je t'invite, toi qui es dans ton activité, toi qui as ton petit business, je t'invite à essayer de former d'autres personnes à avoir ton expertise. Essayez toujours de penser en multipliant.
Si j'ai une activité ici, j'essaye de former afin que je puisse avoir une représentation ailleurs. Cela permet que pendant que je travaille ici, j'ai d'autres personnes qui sont en train d'effectuer la même tâche ailleurs. D'où la puissance des grosses chaînes. C'est ainsi que les grosses chaînes s'enrichissent. Parce que pendant que je donne de mon temps dans ce siège, d'autres personnes que j'ai formées sont également en train de donner de leur temps ailleurs. Donc, au terme de la journée, au lieu d'avoir une journée de 8 heures, je me retrouve à travailler par moment 3 heures de temps, mais 3 heures multipliées par le nombre de personnes que j'ai eu à former dans mon domaine d'activité. Donc je me retrouve à avoir 40, 60 et plus d'heures de travail par jour, ce qui n'est pas possible si j'essaye de le faire seul. Donc, si tu as une entreprise, si tu es dans les affaires, quel que soit le domaine, tu as peut-être commencé avec juste une structure. Songe à te développer et te multiplier. Et ceci passe par la formation. Essaye de former d'autres personnes dans ton domaine. Forme d'autres personnes dans ton domaine. Tu vas te retrouver en train d'avoir des journées de 60, 80 heures, simplement parce que lorsque tu es en train de donner 3 heures ici, les personnes que tu as formées donnent 3 heures ailleurs. Et il suffit de multiplier ces heures pour avoir le rendement d'une semaine, d'un mois en une journée. Donc aujourd'hui, je t'invite à penser au pouvoir de la duplication. Tu es expert dans un domaine, forme d'autres personnes dans le domaine et développe ton activité. Tu verras que le résultat que tu as prévu avoir d'ici peut-être les 5 prochaines années, tu peux l'avoir simplement en une année parce que tu as transmis ton savoir et ton expertise à d'autres. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Tu es dans une activité, tu es dans un domaine, songe à former d'autres personnes à faire la même chose que toi. Et tu vas développer tes journées de travail, tu vas multiplier ton rendement en travaillant moins d'heures. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle t'ajoute un plus aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Merci, bonne journée et à très bientôt. Bisous, bye bye, je vous aime.